Welcome tout le monde, c'est TheExecutor pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc voilà. Pour aujourd'hui, on fait une petite vidéo présentation du clan. Voilà, fallait quand même que je le fasse. C'est ma deuxième vidéo sur Clash, donc voilà. Je me suis dit une petite vidéo présentation du clan. Ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà. Je ferai bien évidemment des vidéos sur les guerres de clan, sur des compos, des techniques de farm, des villages, etc. Des villages farm rush, etc. Des compos farm rush, etc. Des vidéos sur les guerres de clan, etc. etc. Des attaques en live. Vraiment de tout. Mais bon, là, bon, je voulais faire une petite vidéo de guerre de clan, mais ça se passe pas très 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 bien. Parce que notre 1 a fail leur 1. Et puis nous, on s'est pris des 2 étoiles. Donc bon, c'est un petit peu. Enfin, ils se sont failed, mais ils se sont rattrapés. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. Genre, j'ai pas trop envie de faire une vidéo sur cette guerre de clan. J'en ferai sur des guerres de clan qui se passeront mieux. Ou des autres guerres de clan. Puis là, j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo de 20 minutes sur une guerre de clan. Donc là, je vais faire une petite vidéo de 5-10 minutes. Sur notre clan, donc le clan Kamikaze. Donc vous êtes tous invités à venir dedans. Enfin tous, non pas tous, excusez-moi. Tous ceux qui sont en dessous d'HDV7, non. Enfin faut avoir HDV7, dragon et 3 sorts de foudre. Et avoir un village quand même maxé HDV6 et qui tient la route. Pour participer aux guerres de clan, vu qu'on a un clan guerre de clan. Vous voyez qu'on a 59 victoires. Ce qui est pas non plus énorme, mais ce qui est pas non plus nul, nul, nul. Pour participer aux guerres de clan, il faut, donc comme j'ai dit, minimum avoir dragon, bref, avoir... Dragon, 3 sorts de foudre, mettre maxé HDV6, également avoir sa deuxième sirène au niveau 4, donc les deux au niveau 4, avoir les Tesla au niveau 2, et avoir tout simplement évidemment les tours d'archer au niveau 8, hein, pour résister un peu mieux au foudragon, même si c'est, de toute façon, dans tous les cas, vous prendrez sûrement 3 étoiles si c'est un clan qui sait jouer en face, mais bon, bref, on sait jamais. Il faut quand même avoir des villages qui tiennent un peu la route, hein, juste pour la forme, non, j'égale. Non, mais voilà, il faut quand même qu'on ait des gens qui tiennent la route en guerre de clan et qui savent bien évidemment full dragon. Pour les tâches DV8, donc on recherche des gens tout simplement qui sont déjà maxé HDV7, qui sont commencent un petit peu maxé HDV8 quand même, et qui sont surtout maxé niveau offensif, pour les PK, Golem, tout ça, et qui savent go whip si possible, et qui savent évidemment full dragon. Voilà, go whip HDV8, évidemment, c'est possible, je vous en montrerai en guerre de clan, quand je ferai mes vidéos sur des guerres de clan ou en gameplay normal, bien sûr. Comme vous voyez, je vous affiche sous vos yeux tout simplement mon clan, donc vous pouvez prendre le hashtag, là vous avez largement le temps. Si vous voulez rentrer dans le clan, le hashtag, bah, c'est s'affiche sous vos yeux, l'identifiant du clan. Voilà, vous tapez ça dans la recherche de clan, là-dedans vous tapez l'hashtag du clan, et vous trouverez tout simplement notre clan Kamikaze. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les membres. Donc moi je suis le sous-chef, c'est-à-dire que je suis adjoint, mais en dessous du chef, c'est moi le chef. En gros, je dirige les adjoints, quoi, c'est moi qui dis tout. Sauf quand le chef est là, bien évidemment, puis de toute façon le chef au-dessus de moi. Et voilà, même si je dis pas ça en disant que j'ai la grosse tête, mais c'est moi qui suis le plus actif. Et qui gère le mieux le clan, donc, enfin, qui gère le mieux le clan après le chef. Mais vous avez bien compris. Donc en gros, si vous voulez être recruté, être en guerre de clan et tout, ça passe par moi. Faut me demander à moi ou demander au chef s'il est là, mais vu qu'il bosse pas mal, il a pas forcément le temps d'être connecté. Donc c'est pour ça que c'est moi qui gère le clan en son absence, tout simplement. On a également un deuxième clan, donc Kamikaze Junior. Hein. Petit clan, le clan secondaire qui est à peine niveau 2, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, ils sont déjà 33 membres. Donc je vais montrer un peu les noms. Voilà. Donc il y a mon deuxième compte, c'est Norage. Bon, on va le montrer vite fait. Bon, c'est pas un très très bon compte, il est en train de passer HDV6, mais c'est quand même mon petit compte HDV5, maxé. Bon, voilà, il est pas trop mal. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà. C'est après tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Voilà. Bah, n'hésitez pas à rejoindre mon clan Kamikaze. Comme je dis, on fait des guerres de clan non-stop. C'est plus un guerre de clan, ouais, un clan guerre de clan, pardon. C'est pas vraiment un clan rush, ni farm, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un clan guerre de clan. Donc, bah, si vous voulez faire des guerres de clan, ça se passe avec nous. Comme j'ai dit, on recrute des gens qui sont HDV7 minimum et qui ont au moins dragon et 3 sorts de foudre, voilà. Et puis au moins 2 anti-arènes au niveau 4. Après, le reste, on peut s'arranger. Parce que c'est sûr que si vous avez 2 anti-arènes au niveau 1 ou une seule anti-arène au niveau 4, plus une au niveau 1, bon. C'est bof quoi, pour résister des full dragons, ça sert un peu à rien qu'on vous mette en guerre de clan, vous allez vous faire défoncer. Voilà. Bref, donc moi je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. Bah voilà, moi je fais une petite dédicace quand même à Roméo, qui est quand même pas mal actif dans le clan. Qui voilà, qui a fait son attaque sur l'instore, mais bon, je l'en veux pas. Hein. Moi aussi j'ai fait mon attaque sur le 4, donc c'est pour ça que je vous montre pas la guerre de clan, je ne vous fais pas une vidéo dessus, parce que là, ça part un peu en cacahuète, mais bon, vous inquiétez pas, vous en aurez des vidéos sur les guerres de clan. Donc voilà, je fais aussi une dédicace à tous mes membres du clan, Kamikaze, qui regarderont cette vidéo. Donc vraiment un super clan. Je suis pas dedans pour la perf, parce que si j'étais dans ce clan pour la performance, c'est-à-dire ouais, avoir plein de guerres de clan gagnées, être les meilleurs au français, mondial, tout ce que tu veux, je pourrais quitter un clan et dire allez, je veux aller dans un clan niveau 7, et je pense qu'il y aura des clans niveau 7 qui voudraient bien me recruter. Ne serait-ce que pour baisser le niveau du clan en face en ayant un HDV8 avec eux, tu vois.
Mais je ne le fais pas parce que pour moi, c'est pas vraiment un clan où je suis dedans pour les guerres de clan. Je suis dedans parce que les gens qui sont dedans, je les apprécie. Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, la guerre de clan, tout ça, c'est bien coordonné. Et puis c'est convivial. J'ai pas envie d'être dans un clan où on me gueule dessus si je fais mon attaque ou si ceci, cela. Puis j'ai pas envie de tout redémarrer, de redevenir chef de clan dans un autre clan. Je suis très bien dans Kamikaze. Et c'est pour ça aussi que je vous invite à le rejoindre parce que c'est pas un clan. Voilà, bon, moi je suis quelqu'un qui m'énerve et qui est un peu rageux, donc c'est sûr que si vous faillez votre attaque et que je suis en train de la regarder, je vais vous dire putain, ça fait chier, bon bref, mais vous allez voir que très vite je vais me calmer, puis je vais vous dire oh, c'est pas grave, tu te rattraperas. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est plutôt un clan convivial qu'un clan où on se prend la tête, même si là je viens de vous donner un contre-exemple, mais bon, pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous devrez savoir que je suis un rageux, et bon, j'abuse pas non plus, j'insulte personne, hein, je suis pas là en train de dire ouah, t'as raté ton attaque, casse-toi, enfin non quoi, je dis même pas t'es nul, hein, je dis rien du tout, je dis juste, oh bah merde, tant pis, putain, c'est dommage. Voilà, tu vois, à la limite, je dirais fais chier, mais j'en voudrais plus au futur ennemi qu'à la personne qui a attaqué. Enfin bref, vous m'avez compris, n'hésitez pas à rejoindre ce clan Kamikaze. Moi, je vous ferai des vidéos sur des prochaines guerres de clan parce que pour le moment, celle-là, c'est bof. Et puis, bah, faudrait tout simplement que je mette ça en place, que mes membres du clan soient prêts à attaquer en live quand je leur dis. Bon, là, ils étaient un peu déçus parce que bah, je voulais faire la vidéo sur la guerre de clan, puis vu que ça s'est pas trop bien passé, je me suis dit, bah, je vais pas la faire finalement. Et donc, ils avaient tous fait des attaques en live quand je leur avais dit et tout, c'était bien coordonné. Donc bon, c'est un peu dommage, mais vu comment se passe la guerre de clan, je pense pas que ça vous intéresse d'avoir une guerre de clan où il n'y a que des fails, ou enfin peut-être pas que des fails, j'abuse un peu, mais bon voilà, où il y a quand même 2-3 fails, ce qui est plutôt dommage. Je préfère vous montrer une belle guerre de clan, ou une guerre de clan où tout le monde attaque en même temps, etc. C'est plus sympa. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me proposer des vidéos sur Clash of Clans. Hein, vu que là c'est une vidéo de Clash of Clans, bah, vous me proposerez des vidéos sur Clash of Clans. Alors vraiment, je suis ouvert à tout, hein. Vous pouvez me demander des tutos, de tout, hein. Des tutos compo, des tutos village, des tutos farm, des vidéos sur tes cartes de clan, des vidéos délire, des vidéos d'attaque en live, des vidéos replay, bah, que tout le monde m'envoie des gameplays puis que vous les montre, des vidéos conseils astuces, des vidéos je regarde vos villages, tout ça, bon bref, ou je regarde vos clans, enfin donnez-moi plein d'idées et moi je ferai tout ce que vous avez envie. Comme vidéo sur Clash of Clans, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'est un peu une vidéo recrutement, donc n'hésitez pas à venir dans notre clan Kamikaze, voilà, on fait des guerres de clan pour le fun. Ça, on s'en fout, c'est qu'un jeu vidéo pire que Clash of Clans. C'est une ambiance conviviale, tout le monde s'entend bien. Donc, si vous voulez rejoindre la famille Kamikaze, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas HDV7 maxé, je vous invite également. HDV7 maxé. HDV6 maxé, HDV7. Voilà. Je vous invite à passer dans le clan Kamikaze Junior qui prend de tout niveau. Vous pouvez être HDV3, bah, on vous prendra, donc il n'y a aucun problème. Donc, n'hésitez pas à rejoindre un de nos deux clans, Kamikaze ou Kamikaze Junior. Je vous affiche vite fait le hashtag des deux clans. Donc voilà, vous l'avez sous les yeux, vous faites pause et je vais vous montrer celui de Kamikaze Junior. Également, vous faites pause si vous êtes intéressé. Donc voilà les gens, ce que j'avais à vous dire, c'était The Executor. Moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Allez, bye les gens!